À Bengourou, le PDCI et le RHDP s'affrontent pour le contrôle de la mairie. La liste PDCI-RDA conduite par Guillaume Amouakondier Adom a lancé sa campagne ce vendredi à la place de la solidarité. Sa priorité, l'unité et l'emploi des jeunes et des femmes. La première chose que je veux pouvoir obtenir, c'est la cohésion, la fraternité et l'union d'Abengourou. Réunir tous les partis politiques, réunir toutes les communautés d'Abengourou, réunir toutes les religions d'Abengourou. Parce que sans cohésion, il n'y a pas de développement. La première des choses, c'est d'aller vers les jeunes. Ces jeunes qui représentent aujourd'hui 70% de la population ivoirienne, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on trouve des solutions pour ces jeunes-là. Et c'est pour ça que je me bats. Parade de l'équipe de campagne du candidat du RHDP dans les rues d'Abengourou. Hervé Adom Patrick met un point d'honneur à l'employabilité des jeunes. Abengourou a perdu la position qu'elle avait depuis très longtemps. Et il importe de revenir à ce que cette ville était, que j'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, c'est de ramener le développement à Abengourou pour le bien des habitants de la ville. Pour la jeunesse, c'est tout, c'est l'avenir de notre pays et de notre commune. Et donc, il faut effectivement axer notre action sur la formation de ces jeunes, mais également sur des possibilités de financement de leurs projets. Dans son programme d'action, Hervé Adom Patrick accorde également une place aux femmes.